aanvallen. Die komt met de lange paas op de razendsnelle Ben Koon, de loopmachine aan Engelse kant. En dan wordt het ineens 24-11. Gaines, possibilité de contre-attaque maintenant pour Liège. Janis Enoch à 3 points. 8e point, Janis Enoch. Et Liège revient au score 40-37, 2 minutes 15. 44-37. Huger à 3 points. 44-40, 8 minutes à jouer encore, c'est un panier important pour Liège. Contre-attaque va 3 points de Brian Green. Rebond de Mathias de Saveur. Et tentative à 3 points. Et derrière. Ah, il fait mal ce panier à 3 points. 49-40. Jamais l'écart n'a été aussi important dans cette partie. 50% à 2 points, 57 à 3 et 80% lancé franc. Mais c'est insuffisant actuellement pour Liège. Mené de 7 points, 49-42. Au moment d'entamer ce troisième carton. Grand match de Dimitri Jorcet, 12 points. Meilleur marqueur à Liège pour l'instant, Biggs. Et 2 points pour Ryan Moss. 49-44. Ross avec Janis Enoch. 8 secondes, Dorcet avec Moss qui doit éviter la troisième faute évidemment. 14e point de Tony Dorcet. 53-44 au stand plus 9 après 1 minute 20 dans ce troisième carton. Biggs qui appelle ce ballon sur la gauche, voilà. Biggs encore, Biggs toujours. Le festival Ralph Biggs. Un peu moins de présence défensive de Mathias de Saveur sur Ralph Biggs. Et la sanction est immédiate, 57-52. C'est le moment d'en profiter à Liège, ça c'est une certitude. Jorcet au contact avec Beguin. Jorcet encore, Jorcet toujours. 18e point de Dimitri Jorcet, 57-54. Liège revient à 3 points en l'espace de 3 minutes. Gartner. Et 2 points. 17e point de Jason Gartner, 61-54. 7 points d'écart alors que Liège était revenu à 3 unités. Gartner, Ross encore, Ross à 3 points. Troisième panier à 3 points, 100% de réussite pour Quinton Ross à distance. Et Gartner, le son de basketball, le son de réalisme, de lucidité de Jason Gartner. 69-57, trop facile pour Ostend. De Saveur, Gartner, 5 secondes, Beguin, 2 points sur la dernière seconde de la possession. Psychologiquement, c'est toujours très important, 73-61, dernière possession pour Liège. 79-61, 12 points d'écart. Ostend a remporté les 3 premiers cartons, même logiquement. Et on se demande comment Liège va pouvoir réagir. Tentative à 3 points de Major. Dans cette ultime ligne droite, Gartner maintenant. Le coup de grâce peut-être, alors qu'il reste 9 minutes 30 à jouer. 76-61, Ostend plus 15. Ross. Beguin pour le tip-in. 78-62. On a véritablement l'impression que Ostend peut maintenant se contenter de dérouler véritablement. Ross. Janis Enoch. Ballon déposé. 14e point. Et 78-69. Temps mort demandé par Matteo Bonicioli. Biggs. Biggs qui prend ses responsabilités. 18e point de Ralph Biggs. 78-71.
Huger. Petit moment de passage à vide actuellement au stand. Liège attend de profiter. Message bien reçu par Brian Green. 78-73. 4 minutes 20 et Liège revient à 5 points. Gartner. Gartner qui va tenter sa chance à 3 points. Ça, c'est le talent. 27e point de Jason Gartner. 81-73, 3 minutes 55. Huger. Huger. Liège doit marquer un panier à 3 points pour se replacer. Huger choisit l'option du jeu intérieur. 81-75. 6 points d'écart, 3 minutes 15. Gartner. L'homme du match à Ostend avec 27 points. Joy Bird. De Saveur. Ross. Gartner pour un 30e point. Extraordinaire Jason Gartner. 84-79. Huger Huggins. Deux points. Dunk de Brian Green. 12e point. 84-81. 1 minute 47 à jouer. Premier lancer franc converti par Christophe Beguin. Quelle revanche sportive pour Christophe Beguin avec ce qu'il a connu ces dernières semaines sous les commandes de Bonicelli. 85-83, c'est le résultat final. Défaite de Liège, inquiétante. 2 victoires, 4 défaites, c'est le bilan des 6 dernières rencontres. Ostend remporte une victoire importante dans l'optique des play-offs. Résultat final 85-83. Voici les autres résultats de cette 25e journée de championnat. Avec également l'affiche Mons-Anvers, Villevorde de Charleroi, Pepinster Wevelgem, Louvain-Bré sera joué. Demain, en fin d'après-midi, le classement que je vous laisse découvrir. Et puis, une bonne nouvelle également pour Dimitri Lowers. Il est en finale demain de la Coupe FIBA. Il jouera avec Dijon contre l'ancienne équipe de Paul Bayer, Mittel Deutscher. Excellente fin de soirée. À peine une dernière fois du résultat de ce soir. Ostend de Liège, 85-83. Un bon moment de basketball avec Etias. Pharmaton, votre solution anti-fatigue vitaminée pour une vie pleine de vie. Et pour les petits, Pharmaton Kidi. Un momento. Yo. Paste. It's safe. Thank you, guy. Did you hear about Frankie? Stop. Un éclat dans le pare-brise, ça se répare pour pas trop cher. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Réagissez vite. Carglass répare. Appelez gratuitement Carglass au 0800 36 36. Renault Scénic,
il va vous sortir de chez vous. Nouveau, grand Scénic 7 places. Découvrez-le dans tout le réseau Renault. Ce dimanche, la Une vous offre le championnat du monde de patinage. Vous faire tourner la tête, vous émouvoir, pour le plaisir de voir, voici une proposition qui ne vous laissera pas de glace. Bonsoir et bienvenue dans ce Champions spécial championnat de Belgique du samedi soir. Derrière nous, c'est Bruno Thierry qui sort de sa petite mais valeureuse Saxo. Mon cher Bruno, venez nous rejoindre. Nous sommes pratiquement en direct sur la RTBF pour ce premier rendez-vous boucle de Spa. Ouh là là, attention à la portière là, parce que c'est un truc pour se faire mal ça. Hein. Exact, voilà. Bonsoir. Bruno, on le connaît bien Bruno Thierry. De longues saisons en championnat du monde en 4 roues motrices. L'année dernière, champion d'Europe en 4 roues motrices avec Peugeot. Et puis cette année, au boucle de Spa, avec une petite mais valeureuse Saxo. Ça nous rajeunit de quelques années. C'est vrai que, honnêtement, il y a des passages que ça me rappelle mon Opel Astra. Honnêtement, il y a des années de ça, il y a plus de 10 ans. Et cette petite auto me rappelle un petit kart, mais il faut se réhabituer. Et il m'a fallu une bonne demi-journée pour comprendre le mode d'emploi. N'en dites pas trop, parce qu'à nous aussi, ça nous a rappelé pas mal de bons souvenirs de voir vous battre parmi les jeunes avec cette petite deux roues motrices. Résumé donc de cette première journée, regardez bien, c'est là Bruno. Résumé de cette première journée des boucles de Spa. Spa, samedi matin, 8h. Les premiers spectateurs sont déjà à pied d'œuvre et les premiers embouteillages se forment face aux thermes qui ont fait la réputation de Spa. Les pilotes approchent. Le peloton de 101 voitures est emmené par Bruno Thierry, notre champion d'Europe, nous fait le point important sur la météo. Vous pouvez remarquer qu'il a fait très froid cette nuit, qu'il a neigé fin d'après-midi. Donc des conditions peut-être un peu difficiles pour moi découvrir cette petite Saxo derrière moi. Mais bon, on va faire avec, hein. De toute façon c'est ça le rallye, hein. Il faudra un certain temps d'adaptation je pense au début. Un nouveau copilote, Nicolas Gilsoul, Bruno découvre. Il retrouve une Citroën deux roues motrices et il revient à Spa où il n'a pas roulé depuis 6 ans. Cela fait beaucoup de découvertes. Pour pouvoir espérer inquiéter le grandissime favori Peter Chun et sa puissante Toyota Corolla World Rally Car. Première étape spéciale raillée chevron, 15 km. Sur sa petite Saxo, Bruno Thierry signe un chrono de référence, 9 minutes 6 secondes. On sait qu'il sera logiquement battu par les gros cubes tel Peter Chun. De fait, Chun et sa Toyota lui collent 20 secondes. En Renault Clio, Larry Cole c'est lui aussi plus rapide que Bruno. 8 secondes plus rapide. Marc Duet et sa VW Polo sont un peu décevants. 24 secondes plus lents que Bruno Thierry. Voici Bernd Cazier, le successeur de Larry Cole au volant de la Fiat Punto belge. Bernd est battu par Thierry, tout comme Olivier Collard. Le Hollandais Wevers en Toyota Corolla fait le 5e temps de la spéciale devant Bruno Thierry, mais derrière un certain Jean-Pierre Van de Wever, indiscutablement le quinquagénaire le plus rapide de Belgique. Bernard Munster est en forme. Il signe le 2e temps absolu, seulement battu par Peter Chun. Jean-Philippe Radou est le 6e pilote à avoir pu battre Bruno Thierry, mais il ne le bat que d'une seconde. Deuxième spécial, Avlanche, sprint au total 6 km. Troisième spécial, la Redoute, 6 km de virage.
comme dans la première spéciale, Bruno Thierry signe 2 septième temps. De toute évidence, il ne peut pas faire mieux avec sa petite Saxo. Il est logiquement battu par 5 4-roues motrices. Notez aussi qu'il doit réapprendre le pilotage d'une traction, une 2-roues motrice. Vous savez, les habitudes d'une 4-roues motrice reviennent de temps en temps au galop sans s'en rendre compte. Et il faut toujours se concentrer, redescendre toujours un rapport plus bas, doser. Vous savez, maintenant, la motricité, elle se gère avec le pied droit, qu'avant, même si vous êtes un peu trop vite ou un peu trop lent dans un virage avec une 4-roues motrice, turbo, ça pardonne. Donc maintenant, ici, vous faites une petite erreur de freinage, vous freinez trop tôt, vous freinez trop tard, de suite, vous perdez 1 ou 2 secondes. Enfin, Bruno a dû s'adapter à une nouvelle voie à ses côtés, celle de Nicolas Gilsoul, 23 ans à peine, un très jeune copilote, félicité par Monsieur Thierry. Long sommet et droit par fond. 300. Chicane droite 45, gauche 50, très étroit. Impeccable Nicolas, vraiment nickel, honnêtement comme s'il avait fait, je n'ai rien senti comme différence avec mon ex-équipier, dès la première spéciale, pas une seule fois en retard, pas une seule fois en avance, nickel, rien, mais vraiment rien à dire, à part bravo. Après 4 spéciales, soit une première boucle complète, Bruno Thierry est 7e. 7e à 1 minute et 7 secondes du Flandrien Peter Tschoen. Tschoen, auteur de 4 meilleurs temps sur 4. Tschoen, Peter, solide leader, mais pas très content de lui. Je suis en tête, mais c'est tout. J'ai pas bien roulé du tout. Donc le dernier spécial, c'était mieux. J'avais pour la première fois un bon sentiment derrière le volant. Donc le premier spécial et 3e, c'était pas bien du tout. Le 2e du général, c'est Bernard Munster, le Flandrien. Verviétois d'adoption, a concédé 26 secondes à Tschoen. Il est heureux d'être là, Bernard, heureux de son résultat et heureux de sa voiture. Mais vraiment, je suis très content, la voiture est super bien. On a complètement refait la voiture depuis l'année passée, de A à Z, et on a su améliorer plein de petits trucs, et j'ai une voiture que je ne reconnais plus. C'est vraiment une voiture facile à conduire, vraiment gaie. Je n'attaque pas, je roule, je me fais plaisir, et ça va super bien, il n'y a vraiment rien à dire. Le 3e du général, c'est le Verviétois de pure souche, Jean-Pierre Van de Wover. À 50 ans, celui qu'on surnomme affectueusement Nos Jean-Pierre n'a concédé que 38 secondes à Tschoen, et pourtant, il découvre le pilotage d'une Mitsubishi 4-roues motrices. Fabuleux comme voiture. Je pensais que j'aurais plus dur de m'habituer. J'ai encore un petit problème au niveau des freins. Je freine trop tôt parce que je suis pas sûr. Je vais demander qu'on change un réglage à l'assistance. Mais c'est vraiment extraordinaire. Je me demande comment j'ai roulé avec des petites autos pendant tant d'années, alors que là, c'est vraiment du pilotage. On est en glisse, on change de vitesse, la voiture reste en glisse. C'est fabuleux. Derrière Tschoen, Munster et 22, deux autres pilotes de traction intégrale se classent encore devant Thierry, le Hollandais Wevers et Dominique Bruynel. Mais l'exploit du début de rallye est signé par Larry Coles. Larry est parvenu à intercaler sa petite Clio 2-roues motrices dans le top 6. Larry est 4e du général. Il est premier en Super 1600, les tractions avant. 27 secondes devant Bruno Thierry. Bilan très positif, on fait tous les meilleurs temps en Super 1600, on est pas trop mal au classement général, ce qui est assez étonnant. La voiture marche super bien, on est vraiment très satisfait pour l'instant. 3e en Super 1600, Bernd Cazier et sa Fiat Punto sont à plus d'une minute de Larry Coles. 4e des 2-roues motrices, Olivier Collard sur Citroën Saxo. Olivier n'est qu'à 3 secondes de Cazier. Enfin, 5e du Super 1600, l'inusable Marc Duhay n'est qu'à 3 secondes de Collard. Deux jeunes, Cazier, Collard, un ancien Duhay, 3 pilotes dans un mouchoir. Oh, la jolie bagarre. Voyons le groupe N maintenant, la catégorie dite des voitures de série. Ici, c'est un peu le challenge Mitsubishi. Et il est dominé par un tandem, le marchois Xavier Bouche.
Xavier Busch, une des grosses pointures du championnat de Belgique, est à stricte égalité avec le Hollandais Peter Bijvelds. Troisième, le Limbourgeois de Landen, Bob Kölsoul, est à 10 secondes. L'Anversois Chris Van Wunzel est quatrième, à 8 secondes de Kölsoul. Et David Sterckx est cinquième. Le Bruxellois a un peu de mal, semble-t-il, à repasser du circuit au rallye. A signaler encore deux pilotes régionaux bien classés. Jean-Philippe Radou est dixième. Et Yannick Botson, l'homme qui a effrayé Jackie X au Champions Day, est douzième. Rayon mauvaise nouvelle, Pascal Gaban va abandonner, le moteur de sa Skoda est cassé. Le Hollandais Bijvelds, en bagarre avec Busch, va aussi renoncer, boîte cassée. Le grand espoir français de Citroën, Guerlain Chichrit, doit se retirer, roue arrachée. Tout ça allonge une liste d'abandons inaugurée par Hubert Deferme, sorti de la route à la fin de la troisième spéciale. Après s'être mis en jambe sur la boucle des quatre premières spéciales, les concurrents repartent pour une deuxième, une troisième et une quatrième boucle identiques à la première. Autrement dit, les quatre premières spéciales ont l'air fait chacune trois fois. Et dans ce tourniquet, Peter Chun est intraitable. Il les gagne toutes les spéciales de la cinquième à la douzième. Toutes sauf une, la septième, remportée par Bernard Munster. Mais ce petit relâchement fugitif n'empêche évidemment pas Chun de creuser un énorme écart. 82 secondes d'avance sur Munster, c'est impressionnant. Et on ne voit pas bien comment Bernard Munster pourrait revenir sur Chun. Il est au maximum. Regardez bien, d'abord Chun. Et ensuite Munster. Derrière ces deux-là, et malgré tout son talent, Jean-Pierre Van de Wever ne peut rien faire. Il est troisième à 1 minute de Munster et à 2 minutes 21 de Chun. Quatrième, Dominique Breunel n'est qu'à 12 secondes de 22. Il peut encore rêver de podium. Derrière ces quatre roues motrices vient l'étonnant Larry Coles avec sa Clio 2 roues motrices. Larry a pratiquement une minute d'avance sur Bruno Thierry. Un Bruno Thierry à la limite partout. Septième et premier du groupe N, Xavier Busch est débarrassé, rappelez-vous, du Hollandais Bijvelds. Xavier a maintenant 18 secondes d'avance sur Chris Van Wunzel. Lequel, Chris Van Wunzel, n'a que 5 secondes d'avance sur Bob Kölsoul. Trois pilotes, Busch, Van Wunzel, Kölsoul en 23 secondes, ça chauffe en groupe N. Pour compléter le top 10, sachez encore que le Hollandais Wevers, à voiture égale, est à plus de 4 minutes de Peter Chun. Un Peter Chun qui est plus que bien parti pour remporter ses boucles de Spa 2004. Il est en effet débarrassé de son poursuivant le plus direct. Bernard Munster abandonné samedi à 21h, moteur cassé. Du coup, c'est Van de Wever qui est maintenant deuxième. Et tous les autres, vous le devinez, eh bien ils avancent d'un rang. Breunel est troisième. Larry Coles, incroyable, quatrième. Et Bruno Thierry, cinquième. Voilà donc ce qui s'est passé aujourd'hui. Bruno, on vient de l'entendre. Vous êtes cinquième au classement général. C'est génial. Ah bon, vous me l'apprenez? Non, c'est vrai que c'est possible. Oui, car Bernard Munster vient d'abandonner. Oui, je viens d'apprendre ça juste à l'arrivée de la dernière spéciale. Il a eu un petit problème moteur dans une spéciale. Donc, cinquième inespéré pour vous, non? Oui, c'est vrai, c'est inespéré. Et ce qui compte, c'est déjà engranger un maximum de points, puisque avec ce nouveau règlement, nous prenons des points par jour. Donc deuxième en Super 1600, c'est de bon augure pour le reste du championnat. Si on
pouvez encore récidiver pour demain, ça serait opération idéale, c'est mission accomplie, mais bon, encore une journée de rallye demain. Oui, ok, alors deux questions à se poser, vous y répondez brièvement parce que le temps commence à courir. Est-ce que pouvez-vous encore gagner et battre Larry Coles? Non, honnêtement, c'est très difficile, je commence à trouver les limites de la voiture et c'est vraiment très 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 difficile d'aller chercher Larry. Il a très bon rythme, il a aussi une très bonne auto, il connaît bien les boucles de Spa, mais non, c'est, honnêtement c'est très difficile. Petite question, seconde question, est-ce que un certain Peter Chun maintenant libéré de Bernard Munster peut gagner facilement les boucles? Ben à mon avis oui, je vois pas, vous savez les voitures sont déjà pas les mêmes, une WRC contre une Group 1. Je crois que c'est un peu logique que Peter soit en tête de ce rallye par rapport à Bernard Munster qui est une Group 1 des années aussi. Allez, on vous laisse vous reposer, allez vous réchauffer parce qu'il fait froid. On l'a dit avec vous, en principe c'est joué mais pas encore tout à fait car vous le savez, il est toujours arrivé. On a donc deux rendez-vous à chaud à vous donner de TBF. Le premier ce sera à 10h du matin. Il n'est pas non plus de changer. C'est très important. Donc demain, 10h du matin, on vous donnera de tout ce qui sera passé dans les pas plus des premières spéciales de dimanche à la Flèche. Et puis l'après-midi, 17h après la Flèche Brabançonne, juste 17h, le complet des boucles de Spa 2004 en direct de Spa. Donc deux rendez-vous et vers 17h30, le 2004. Pendant la quinzaine Heavy Metal chez Scott. Je vous aider? Un éclat dans le pare-brise, ça se répare pour pas trop cher. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Réagissez vite. Carglass répare. Appelez gratuitement Carglass au 0800 136 36. Se détendre, se sentir libre dans un jardin agréable. Evergreen vous assure facilement un gazon parfait. Evergreen. De Substral, la garantie d'un magnifique gazon vert, sans mauvaises herbes et sans mousse. Découvrez la nouvelle génération de véranda Willems. Dans une véranda Willems, c'est toujours un peu la fête. Vous êtes certainement fou d'enthousiasme en visitant les véranda Willems à Mézières, avec ses meubles de véranda espagnol exclusifs de Rosana Garrido. Willems construit aussi votre véranda. Représentant au 055 21 85 31 ou consultez notre website. Liège réveille vos sens, voire au cœur. Demandez gratuitement le guide découverte et votre chéquier cadeau. La Wallonie, la chaleur de vivre. La sécurité, chaque seconde compte pour y penser. Une initiative du CNAC, l'Institut de prévention de la construction. Nouveau Aquafresh Extreme Clean. Une cascade de fraîcheur grâce à sa nouvelle formule microactive. Des milliers de bulles agissent en profondeur pour éliminer les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Résultat, une incroyable sensation de propreté et de fraîcheur intense. Nouveau Aquafresh Extreme Clean. Belize, laissez-vous guider par vos sens.
quand le cheveu s'en mêle, fort en tête, des coiffes. Tout de suite, en images. Révélatrice d'une époque, les coiffures sont l'expression d'une position sociale, d'une contestation politique ou d'un souci purement esthétique. Les cheveux font l'objet de soins amoureux et bénéficient toujours des recettes de nos grands-mères. C'est également un art du maître perruquier à l'opéra et un art pour Roger aux mains d'argent qui a coiffé des têtes couronnées. Alors saisissez l'occasion par les cheveux, fort en tête, mardi 20h25 sur la Une. Bonsoir à tous et bienvenue au tirage du Pic 3 de ce samedi. Voyons le premier chiffre, il s'agit du 7. Le deuxième chiffre gagnant, c'est le 4. Et enfin, le 3. Bonne chance à tous, rendez-vous lundi pour un nouveau tirage. Quand le vent se lève, préférez le gaz naturel. Mesdames, Messieurs, profitez bien de ce dimanche calme et ensoleillé. Il fera beau et totalement printanier. Il faut dire que pour l'instant, nous sommes protégés par un anticyclone qui s'étend des Açores en direction de l'Europe centrale. Il nous protège de différentes perturbations. Nous voyons quelques nuages assez diffus ici sur les îles britanniques qui en réalité se sont un petit peu enfoncés sur la Belgique. On les a à peine vus parce que l'anticyclone Héron rôde considérablement la perturbation en question. On va regarder la situation telle qu'elle est prévue demain après-midi avec de vastes plages de soleil, quelques petits nuages insignifiants, d'Ostende à Arlon, une belle remontée des températures aussi, vous allez voir, avec 11 degrés à la mer, 12 à Bruxelles, 11 à Namur, 9 degrés du côté de Saint-Hubert ou de Spa, avec un petit vent du sud qui sera faible à modéré, mais qui nous donnera déjà une réelle impression de douceur. Douceur encore pour les prochains jours, bien davantage, parce que les températures vont continuer à grimper, 13 degrés pour lundi et jusqu'à 16 degrés pour la journée de mercredi. Ça va aussi augmenter un petit peu pendant la nuit. Et puis sinon, donc, ce seront vraiment de très très belles journées, tout à fait printanières, avec dans l'ensemble ciel bleu, soleil et quelques petits nuages sans plus. Je vous quitte sur ces bonnes nouvelles. Je vous retrouverai avec plaisir ce dimanche. Que tout se passe bien pour vous d'ici là. À bientôt. Quand le vent se lève, préférez le gaz naturel. Jouer, se détendre, se sentir libre dans un jardin agréable. Evergreen vous assure facilement un gazon parfait. Evergreen 3 en 1 de Substral. La garantie d'un magnifique gazon vert, sans mauvaises herbes et sans mousse. Petite Gaïole, petite Gaïole, petite Gaïole. À Paris, qu'est-ce qu'on attend? La dorsale wallonne, vers Paris avec Thalys. On va plus loin quand c'est plus près. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Le mea culpa de Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, a évoqué le génocide du Rwanda qui s'est produit il y a 10 ans et il a avoué qu'il aurait dû faire beaucoup plus pour essayer d'empêcher le drame. Kofi Annan était à l'époque le responsable des opérations de paix de l'ONU. Il a reconnu que la communauté internationale aurait pu stopper les tueries si elle avait agi avec davantage de détermination. Et un des hauts responsables de l'armée rwandaise impliqué dans le génocide est arrivé à Bruxelles aujourd'hui. Il s'appelle Bernard Tuyaaga et il vient d'être extradé de Tanzanie. Il est notamment accusé d'être responsable de l'assassinat des 10 casques bleus belges, ces 10 soldats qui avaient été massacrés le 7 avril 1994. Régis Derat. Depuis ce matin, c'est la chasse à l'image. Bernard Untiyaga a débarqué à Bruxelles National vers 11h en provenance de Schiphol aux Pays-Bas, mais son transfert a eu lieu en toute discrétion. Toujours est-il que l'ancien major de l'armée rwandaise a fini par se livrer à la justice belge. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Bernard Untiyaga est arrivé ici au parquet de Bruxelles en toute fin de matinée pour y être entendu par le juge d'instruction Damien Van der Meersch. Une très longue audition à l'abri des regards et des caméras de télévision qui s'est terminée en toute fin d'après-midi.
Et à l'issue de cette audition, le juge Van der Merch a confirmé les chefs d'inculpation. Bernard Untiyaga devra répondre de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Un procès pour la mort des 10 paras assassinés au Rwanda est désormais possible chez nous. Les familles des militaires disparus y voient une manière de lever les nombreuses zones d'ombre du dossier. C'est le dernier qui a vu nos militaires. Il les a arrêtés chez la première ministre Agathe et c'est quand même lui qui les a menés à leur triste sort, c'est-à-dire à leur assassinat. Mais c'est important qu'ils soient en Belgique et pas jugés ailleurs. Ils pouvaient être jugés au Rwanda, mais il faut savoir qu'au Rwanda, ils risquaient la mort. Et c'est ce que nous craignions. Nous avions peur qu'on l'assassine et qu'il ne livre peut-être jamais son secret. L'arrivée de Bernard Untiyaga à Bruxelles aujourd'hui est le résultat de 10 années de tractations intenses entre le Rwanda, la Tanzanie et la Belgique, 10 longues années d'un véritable ballet diplomatique. C'est un témoin de premier ordre, puisqu'il est classé parmi les suspects génocidaires les plus importants. Donc c'est vraiment l'un des tout grands suspects. Bernard Untiyaga a été placé ce soir sous mandat d'arrêt et déféré à la prison de Forêt. Quel fut précisément le rôle de cet ancien major dans le massacre des militaires belges à Kigali? Le 7 avril 1994, Bernard Untiyaga aurait attisé la colère des soldats rwandais qui ont tué les casques bleus et il aurait assisté impassible au massacre. Une version des faits que l'accusé récuse, il faut le préciser. Adjalabib. 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu peu avant son atterrissage à l'aéroport de Kigali. Dans les quelques minutes qui suivent, une rumeur se répand dans la ville. Ce sont les casques bleus belges qui auraient tiré sur l'avion du président rwandais. Un quart d'heure plus tard, des mouvements de troupes et des tirs d'armes lourdes sèment le chaos. Le génocide ne fait que commencer. Les hommes du commandant Lotin reçoivent l'ordre d'assurer la protection du premier ministre, Agathe Uwilingiyimana. Mais celle-ci, prise de panique, fuit par les jardins où elle sera abattue. Les 10 casques bleus belges, qui sont sous les tirs incessants depuis plusieurs heures, décident alors de quitter la résidence du Premier ministre, mais ils n'ont plus que 2 jeeps. C'est à ce moment qu'ils rencontrent le major Bernard Untiyaga. 2 d'entre eux sont venus en courant, en signe d'autostop. C'était 2 militaires de la Minoire. Les autres sont venus derrière. Et puis, mon fils est de stopper, le chauffeur l'a ralenti puisqu'il devait aussi tourner pour monter. Bernard Untiyaga leur aurait proposé de les désarmer, de les emmener à un poste de la Minuar. En échange, il leur promet la vie sauve. Mais une fois arrivé au camp de Kigali, le major attise la colère des soldats rwandais en présentant les 10 casques bleus belges comme les responsables de l'assassinat du président Habyarimana. Une version que récuse l'inculpé. Il les a conduits à l'endroit qu'ils ont indiqué, c'est-à-dire le poste Minoir dans le camp de Kigali, et c'est là qu'il les a déposés, qu'il est parti immédiatement. Quelques moments après, ou quelques minutes, on n'était pas là, il y a des émeutes qui se sont passées dans ce camp, et c'est à ce moment-là que les militaires belges ont été assassinés. Selon une autre version, le major Untiyaga, dont le rôle au sein de l'armée n'a cessé d'augmenter durant le génocide, aurait assisté impassible au massacre des 10 casques bleus belges. En Israël, on l'a appris ce soir, le procureur général a recommandé l'inculpation d'Ariel Sharon pour corruption. Le haut magistrat estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour accuser le Premier ministre de corruption dans une affaire immobilière. Et puis en Cisjordanie, un petit garçon de 6 ans a été tué au cours d'une incursion de l'armée israélienne à Naplouse. Une fusillade a éclaté et l'enfant a été touché par une balle perdue, comme on dit, une balle palestinienne selon Israël. Par ailleurs, des dizaines de milliers de Palestiniens ont encore manifesté ce samedi, notamment à Jenin, en hommage au Cheikh Yassine qui a été abattu cette semaine par les forces de sécurité israéliennes. On reparle du procès de Saddam Hussein. Qui sera le défenseur de l'ancien président irakien? Eh bien, ce sera Jacques Vergès, le célèbre avocat français, qui a déjà déclaré qu'il avait surtout peur d'une chose, à savoir que l'on empoisonne Saddam Hussein avant son procès. Bruno Clément. Maître Vergès, un avocat star, défenseur des causes perdues, disent ses amis. Avocat du diable, disent ses détracteurs. Si aujourd'hui le ténor français défend Hussein, c'est surtout parce que, dit-il, il craint pour la vie du dictateur déchu.
Si un procès a lieu, à propos de ces armes, de la possession de ces armes ou de leur utilisation, il sera bien amené à dire comment il les a eues. Et il les a eues parce que les Américains et les Anglais les lui ont vendues. Et à ce moment-là, manifestement, les dirigeants américains qui les ont vendues devraient s'asseoir à ses côtés. Et parmi ces personnes qui ont été des VRP dans la vente d'armes de destruction massive, il y a M. Rumsfeld, dont tout le monde connaît l'adresse aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que ce procès est impossible. Et qu'il y a un danger de mort pour Saddam Hussein. Ils ont été capables de le droguer de force pour l'exhiber. Ils sont capables de le tuer. Les clients de Maître Vergès, ce sont quelques pages de l'histoire judiciaire française et internationale. L'avocat a entre autres assuré la défense de l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie. On l'a vu rôder à La Haye quand le tribunal pénal international s'est penché sur le cas de Slobodan Milosevic. Il était aussi le conseil du terroriste Carlos. Vous connaissez Carlos ? Non. Je connais Carlos comme tout le monde, de réputation. C'est une légende, un mythe. L'avocat a déjà entamé sa défense. Il entend déposer plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Saddam, son nouveau client irakien, étant selon lui maltraité. On dit d'un côté c'est un prisonnier de guerre, de l'autre on l'exhibe comme une bête au foirail, avec un médecin qui lui regarde les dents comme dans un marché d'esclaves, qui lui fouille dans la tête pour savoir s'il n'y a pas des poux sans doute. Et puis, on le photographie allongé par terre avec les boots d'un djihadiste sur la poitrine. C'est de la sauvagerie. Vergès défendra aussi Tarek Aziz, ex-vice-premier ministre. Aziz, Hussein, deux clients de choix pour une défense à la hauteur des ambitions de cet avocat très médiatique. Les élections régionales en France, la gauche a donc remporté la première manche. Elle s'est imposée largement dimanche dernier. Elle espère maintenant confirmer ce résultat lors du deuxième tour qui sera organisé demain. Reportage de notre correspondante à Paris, Corinne Portier. On vote pas ? Si, on vote dimanche prochain encore. Au pied de la tour Lénine, ces jours de marché, pour les communistes, c'est le moment de tracter. Bonjour. Ça va bien ? Au premier tour, les résultats étaient plutôt favorables à la gauche, mais au second, chaque voix compte. Faut bien voter dimanche prochain. Le résultat n'est pas acquis. Bien, toujours bien. Des socialistes viennent même donner un coup de main. Signe des temps, c'est le retour de l'union de la gauche, moribonde depuis le désastre électoral de 2002. Enterrer les rancœurs, en tout cas sur les affiches. Mais à la base, il faut encore convaincre. Des sympathisants communistes, parfois récalcitrants. La politique sociale est une politique tout à fait différente que celle de la droite quand même. On ne va pas comparer la droite et la gauche. Deuxième tour des régionales dimanche. Bah oui, parce qu'il y a quand même un petit risque sur ces régionales. Hein. C'est pas jouer à 100% quand même, loin de là. Surtout l'Île-de-France, c'est trop symbolique. Pour la droite, l'enjeu est aussi capital ici. Gagner l'Île-de-France, région très symbolique, lui permettrait d'atténuer la gifle électorale annoncée pour le second tour. C'est pourquoi elle jette toutes ses forces dans la bataille. La droite veut encore y croire, malgré les scores de dimanche dernier. Elle sort alors son joker. Nicolas Sarkozy, l'homme qui agace par ses ambitions, mais qui est devenu indispensable par sa popularité. Certains l'annoncent déjà Premier ministre la semaine prochaine en cas de Bérézina pour la droite, et malgré les réticences évidentes de Jacques Chirac. En attendant, partout où il va, il est la vedette et fait de l'ombre à ceux qu'il vient soutenir, mais qu'importe, il rapporte des voix. Tu as été à mes côtés. Son discours mobilisateur parle peu des régionales, c'est un programme politique national. Ce n'est jamais les idées de la gauche qui ont triomphé. C'est l'acharnement que nous avons mis parfois à ne pas mettre en œuvre la politique pour laquelle nous avions été élus. Si la droite emporte cette région dirigée par la gauche depuis 6 ans, la bataille d'Île-de-France pourrait servir d'amortisseur à une défaite annoncée au plan national. Elle décidera donc certainement en partie du sort du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. L'actualité chez nous, le CDH s'est réuni en congrès ce samedi à Louvain-la-Neuve pour parler éducation. Pour faire très bref, le parti de Joël Milquet suggère qu'il y ait moins de ministres de l'enseignement en communauté française et davantage d'enseignants. Jean-François Noulet. Pour le CDH, l'enseignement doit être la priorité des prochains gouvernements régionaux et communautaires. Parents, enseignants, éducateurs, entreprises, monde associatif, État fédéral, régions et communes doivent, selon le CDH, conclure un pacte. Donnez-nous 5 ans pour l'éducation. Et ce que le CDH a avant tout envie de proposer,
le 13 juin aux gens, c'est de conclure un pacte audacieux pour l'éducation.